Ino gushira wandi wakifyanirwa afi akufuma ke kufikunwe kusafika na kuri batata isabirali che pana abantu natufula nefi bombero fya pamana na fena na afifulishia so isabitali ntalile kwata muvu yabo batinilenda so ntuleli kuonkelwa ukutali. So if you're safe enough, you're going to be in a mukuru don't talk any kind. I'm really future and in a bite, yeah. Ushila, why do you go, sir? And to promise man and the power to shake each other in the sand of women in a joke one was said. Why do you go, sir? Daddy Roman and Aki Moon. So not in with them. Le lac Tanganyika est situé le long du Rift, au cœur du continent africain. À cheval sur quatre pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, la région du lac Tanganyika compte 13 millions d'habitants, dont 2 millions le long du littoral, qui dépendent directement du lac. La population ne cesse d'augmenter, ce qui exerce des pressions de plus en plus fortes sur le lac Tanganyika. La pêche est l'une d'elles. 200 000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année par environ 40 000 pêcheurs. L'équilibre du lac est menacé, par la surexploitation des stocks de pêche, mais pas seulement. L'agriculture, l'industrie, la déforestation, l'urbanisation et le réchauffement climatique sont autant de pressions qui dégradent depuis de nombreuses années cette entité naturelle unique. La baisse inquiétante de la qualité de l'eau impacte cet écosystème d'une richesse inestimable. La perte de biodiversité en est le premier indicateur. Claver Sibomana, chercheur à l'Université du Burundi, en témoigne. Pour mesurer l'impact de la pollution, je prélève des macro-invertébrés comme bio-indicateurs des organismes qui peuvent indiquer la qualité de l'eau. Je mesure aussi des paramètres physico-chimiques et j'essaie de confronter les deux pour voir exactement l'impact de la pollution. On voit qu'il y a des résultats alarmistes qui montrent que la pollution est en train de croître au niveau du lac Tanganyika. Ça devient de plus en plus inquiétant parce qu'on observe une baisse dans les captures de poissons, on observe certaines espèces qui commencent à disparaître à cause d'une pression qui est de plus en plus croissante autour de ce lac. Le lac abrite 4500 espèces de plantes et d'animaux, dont près de la moitié sont endémiques. Le lac Tanganyika est un écosystème très complexe. Pour bien cerner les pressions exercées sur le lac, il est important de comprendre son fonctionnement. Le lac Tanganyika, en fait, est une entité très complexe et il a des caractéristiques tout à fait uniques au monde. Et c'est un véritable modèle réduit d'un mini-océan en zone intertropicale. Le lac Tanganyika est le second lac le plus profond au monde. Il est le plus long lac du monde et il contient 18 à 19% du volume d'eau douce de surface libre du monde. Donc c'est un volume d'eau absolument extraordinaire, mais qui est aussi un âge très ancien, plus de 10 millions d'années. Le lac peut être impacté d'une part par le climat, avec un réchauffement qui va provoquer une plus grande différence de température entre la surface et le fond, et empêcher
plus d'échanges entre ces couches d'eau et changer l'hydrodynamique. Mais d'autre part, il peut être impacté également par l'activité humaine et dans certains endroits, dans certaines zones où il pourrait y avoir des pollutions spécifiques. Donc on a un impact naturel possible ou un impact anthropique. Et pour pouvoir comprendre l'importance de chacun de ces facteurs, la première étape dans tout problème, c'est de récolter des données de façon systématique. Donc tout ce qui peut être fait pour mieux connaître le lac et pour anticiper les changements futurs doit être fait. À ce niveau-là, le projet, par exemple, l'Atawama est absolument essentiel. L'Atawama signifie Lake Tanganyika Water Management. Ce projet vise à surveiller et à protéger la qualité de l'eau du lac. Comment ? En fédérant les quatre pays bordant le lac autour d'une idée centrale. On ne peut gérer le Tanganyika de manière durable qu'en coordonnant ensemble la gestion de ses ressources. Cette coopération entre le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo s'est matérialisée dès 2005 par la création de l'ALT, l'autorité du lac Tanganyika. Et c'est au sein de cet organe sous-régional que le projet l'Atawama est déployé en 2019. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, la coopération belge. La première action du projet l'Atawama a été de mettre en place un réseau de surveillance des eaux du lac. Alors, gérer un écosystème tel que celui-ci est impossible sans disposer de données environnementales liées à la qualité, à la quantité, aux données climatiques et à la biodiversité du lac. Le réseau de surveillance, c'est comme un laboratoire d'analyse dans un hôpital. Vous ne pouvez pas diagnostiquer la maladie d'un patient sans faire des analyses. C'est ce que nous souhaitons faire avec le réseau de surveillance. Donc, la nature des analyses va permettre de déterminer quelles sont les sources de pollution et quelles sont les actions à mener. C'est essentiel. Le réseau de surveillance est basé sur des laboratoires dispatchés dans les quatre pays riverains. Ces laboratoires sont des centres de recherche de haut niveau ou en développement. Nous les appuyons à la fois en termes d'équipement. Nous appuyons en termes de mise en place du réseau de surveillance, de suivi des analyses, de validation des données et de transfert des données vers l'entité qu'est l'autorité du lac Tanganyika. L'Atawama Project came up with this water quality monitoring program, whereby all the four countries will monitor the lake using the same protocols, using the same methods and have a centralized data storage system. That will allow the four countries to develop specific management programs with respect to the water quality of the lake. And once you observe a change, you can come up with measures to curb the changes. Lake Tanganyika fisheries, it's important to people who are living within the lake itself and outside the lake. There is a great relationship between pollution, fisheries, and just general environment in Lake Tanganyika. So we need to do something. And for us to be able to do something, we need to understand what exactly causing the changes which are happening in the lake with respect to fisheries. Whether it's climate or whether it's, the fishing effort is increasing or what are the causes for the stock going down. And once we understand that one, obviously, we will be able to come up with appropriate measures to address the problem. La surveillance environnementale n'est pas le seul objectif du projet l'Atawama. Celui-ci lutte également contre les pollutions urbaines. Pour cela, les équipes de l'Atawama développent toute une série d'initiatives pilotes afin d'aider les acteurs publics à mieux gérer les déchets et les eaux usées dans les villes bordant le lac. Le but est de démontrer que des actions ciblées peuvent avoir un impact concret sur la qualité des eaux du lac. À terme et en fonction des résultats, ces initiatives tests de dépollution seront à développer dans le futur. Bujumbura, capitale du Burundi, est la plus grande ville bordant le lac avec 1,2 million d'habitants.
l'explosion démographique et avec elle l'extension urbaine incontrôlée, pose d'énormes problèmes liés notamment à la gestion des eaux usées. Bujumbura possède une station d'épuration, mais c'est pourtant loin d'être suffisant. Nous sommes ici sur le site de la station d'épuration de Buterere, qui collecte partiellement les eaux usées urbaines de la ville de Bujumbura. La station traite à peu près 15% de la population en assainissement collectif. Une part des eaux est aussi apportée par les vidanges de fosses septiques amenées par des camions. L'autre part de la population de la ville est en assainissement autonome. La station d'épuration ici permet d'atteindre certains objectifs, notamment en termes de matière en suspension, de charges organiques. Elle ne pourra pas garantir une épuration de l'azote et du phosphore telle qu'on l'espère parce que le système n'est pas conçu pour cela. Donc nous sommes dans une optique de limiter la pollution, de rejeter des eaux qui impactent le moins l'environnement. Sur l'ensemble des villes riveraines du lac Tanganyika, Bujumbura est la seule ville qui dispose d'une station d'épuration, même partielle. Ça reste un élément fondamental de la politique de gestion des eaux usées de la ville de Bujumbura. C'est pour ça que nous investissons massivement pour soutenir l'opérateur et améliorer le fonctionnement de la station. Il y a un enjeu sanitaire important. Certaines villes font face à des épidémies de choléra qui sont typiquement liées à l'insalubrité associée à la fois aux eaux usées et à la gestion des déchets solides. Et donc la salubrité publique, la santé des populations est indissociable de l'amélioration de l'environnement et de la protection du lac Tanganyika. C'est protéger la santé, c'est protéger l'usage de l'eau, c'est protéger le développement économique, c'est protéger les populations, c'est améliorer le cadre de vie. Donc ça a des impacts gigantesques en termes de santé publique et d'environnement. À Bujumbura, nous sommes à l'amorce d'une solution. Est-ce suffisant pour stopper les pollutions? Non. Mais le projet Latawama permet d'initier un processus d'amélioration, avec pour objectif d'augmenter ses investissements et de les répéter dans d'autres villes bordant le lac. Si la gestion des eaux usées est un défi majeur, ce n'est pas le seul. Le lac Tanganyika est affecté par d'autres facteurs. Pourtant essentiel à la vie des populations riveraines, le lac aujourd'hui est redouté par certains habitants. La population urbaine a doublé en un peu plus de 20 ans. Et avec elle, la production de déchets n'a cessé d'augmenter. Les municipalités, par manque de moyens, n'ont pas les capacités de gérer elles seules ces déchets solides, qui sont principalement de la matière organique et des plastiques. En Zambie, en Tanzanie et en République démocratique du Congo, le projet Latawama aide les grandes villes côtières à concevoir un plan d'intervention dans la gestion des déchets et à le mettre en œuvre. Matériel, véhicules, formation, les soutiens sont nombreux. Nowadays, situation changed after engagement of Latawama project in the process of solid waste management through buying of 6 motorized tricycle
purchase of protective gears, purchase of skip bucket or container, removable containers, even though workshop with community and to they participated in public awareness. So I can say that Latama improved at the high extent. Si les grandes villes côtières sont à l'origine de pollution importante, ce ne sont pas les seules. La déforestation dégrade aussi la qualité des eaux. Lorsque les arbres sont abattus, l'érosion augmente. Les sédiments sont transportés par les rivières et se déposent dans le lac. Cela accroît la turbidité de l'eau et change même sa composition chimique. C'est le cas ici. La rivière Ruzizi, qui prend naissance au lac Kivu, au Rwanda, charrie d'énormes quantités de boue, ce qui est une véritable catastrophe écologique. Pour améliorer la gestion du lac Tanganyika, il est indispensable de prendre en compte l'ensemble de son bassin versant. C'est bien ce que fait le projet Latawama, qui soutient financièrement et techniquement la lutte contre l'érosion le long de la rivière Ruzizi. Erosion is the number one issue in Rwanda, and one of the ways or many ways to fight against it is the building or the construction of radical terraces. And through those construction, we usually use community approach, where the community around that area where we are working from contribute by working on the terraces, but at the same time, through the financing that we have from Latawama and the Nabel, we are able to pay and they are able to benefit both the terracing and the money. For those terraces to be long-term and sustainable, we usually have topographers that work on it before the construction, and we have different types of trees and shrubs that are planted on the terraces to maintain them and hold the land. Usually while building the terraces, we source the trees usually from the nursery, tree nursery that are built directly near the site where we're building them. Not only that, the trees that we planted alongside the terraces, they also have an economic effect and economic benefit to the owners. So by doing this project, by implementing this project and upscaling it, we are protecting the lake from the upside of the river, and it has a bigger impact than protecting it from the lake itself. Érosion, montée des eaux, pollution urbaine, certaines villes comme Uvira en République démocratique du Congo multiplient les problèmes. Le projet Latawama prend en compte l'identité géographique des lieux où il intervient. Cela lui permet de cerner l'ensemble des problématiques et donc de mettre en place des solutions globales. Monsieur le maire, quels sont les grands défis qui attendent la ville de Uvira? Les grands défis, c'est que toutes ces montagnes qui étaient de forêt, maintenant, aujourd'hui, elles sont déboisées. Alors, lors de la saison pluvieuse, ces rivières passent à travers les quartiers et ça détruit, ça emporte les maisons, les biens, les personnes. C'est comme ça qu'à chaque année, au moins nous avons plus de 25 personnes mortes, parfois 100 personnes. Et qu'en est-il du lac Tanganyika et de la montée des eaux? Le lac Tanganyika, il est en train de chasser aussi les gens. Il a repris au moins 200 mètres de la plage. Toutes ces maisons ont été submergées et englouties par les lacs. Donc ça, ce sont des grands défis que nous courons. Donc il y a aussi un problème de gestion des déchets. Des déchets comme tu vois là. Et quelle solution peut apporter le projet Latawama? Pour nous, Latawama, c'est un cadre, une institution. Elle nous apporte des propositions et nous les étudions. Et avec Latawama, nous mettons en place des politiques nécessaires pour la gestion du lac Tanganyika. Ça permet aux Rwandais, aux Congolais, aux Burundais, aux Tanzaniens d'être ensemble, d'abord de réfléchir ensemble
de travailler ensemble. Et pour nous, les autorités, nous disons, ça nous permet de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une condition indispensable pour gérer des ressources transfrontalières de manière durable. Et c'est cette idée centrale qui a motivé la création de l'Atawama, un projet très fortement soutenu par l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne investit-elle tellement dans la protection du lac Tanganyika? Le lac Tanganyika, c'est quand même un patrimoine mondial très, très important. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir que ces ressources qui sont partagées sur 5 pays, ces 5 pays se parlent, travaillent ensemble pour assurer qu'en fait, les ressources bénéficient à tout le monde et à toutes les populations qui se trouvent autour. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait quand même la paix dans la région, la sécurité, pour qu'on ait un développement économique pour nos pays partenaires, mais un développement économique qui se fait dans le respect en fait, de la nature et des ressources formidables qu'ils ont là-bas. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on apporte des solutions basées sur les vrais problèmes. Donc, s'il y a des problèmes de pollution, mais on sait qu'il y a aussi la montée des eaux du lac. On doit comprendre ce qui se passe pour avoir des mesures qui puissent ensuite être développées pour s'adapter à la situation. Donc, tous ces aspects sont très importants pour nous. Le défi est immense. Les apports des bailleurs de fonds de l'Union européenne est extrêmement important. Mais dans le futur, l'implication des gouvernements locaux est essentielle si on veut pouvoir gérer le lac d'une manière durable. Nous mettons, nous, les bases d'un point de vue technique, d'un point de vue formation, d'un point de vue investissement. Il sera nécessaire que les gouvernements du lac Tanganyika et l'autorité du lac Tanganyika puissent, dans le futur, prendre le relais et assurer d'une manière permanente le suivi environnemental du lac Tanganyika. C'est une obligation. Sans investissement, sans connaissance du lac, sans implication de l'ensemble des partenaires, y compris le monde universitaire, sans implication des populations locales, des pêcheurs, des opérateurs publics, nous allons vers une dégradation de la qualité du lac. Nous devons agir maintenant. Agir plus tard, ce sera gérer des conséquences actuellement inestimables.